pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Voilà, ici, c'est le décor principal de la cellule, donc la série part de la cellule des personnes disparues. Ici, c'est le décor principal où toutes les cellules, on va dire, de studio, ce n'est pas un vrai studio, parce que c'est un vrai bâtiment qui est vide et qu'on a aménagé pour en faire la cellule des personnes disparues. Et on est 4 jours, donc sur les 18 jours de tournage des 2 épisodes, on est 4 jours ici. Donc, 2 jours par épisode, on tourne effectivement toutes les scènes qui font sur fond. Les moments, on va dire, un peu puzzle, où ils sont en train de réfléchir aux pistes, choses, ils analysent, et ils partent après chercher à gauche, à droite des personnes. Donc ici, il y a quand même pas mal de scènes. L'avantage, c'est que la lumière est là, tout est là, donc on travaille plus vite qu'en décor naturel ici. C'est un total de 100 jours de tournage, ce qui quand même est vachement chouette, parce qu'après, quand on est réalisateur, on débarque. Moi, j'arrive au 4e bloc, donc il y a déjà eu beaucoup de jours de tournage sans moi, donc il faut toujours un peu trouver ses marques quand on arrive sur une série, parce que souvent les équipes et les techniciens se connaissent vraiment avant qu'on débarque. C'est pas comme sur un film où on construit vraiment sa maison, on amène des gens et on fait ça. Après l'équipe de tournage, le temps de préparation se fait vraiment pendant 2 mois, mais c'est alors sur les repérages, trouver les bons décors, les castings de tous les... Parce que même s'il y a 4 personnages principaux, on va dire que le vrai travail où tu peux intervenir dans la mise en scène en tant que réalisateur ici, c'est quand même vraiment sur les guests, donc les gens, les acteurs qui ont des rôles importants mais qui sont là juste pour l'épisode, le choix des décors, ce genre de choses, donc ça se prépare et ça prend un certain temps aussi. Déjà on a montré avec les scénaristes pour un peu quand même pouvoir mettre les scénarios un peu à sa sauce, là on peut le faire, on peut intervenir encore dans le scénario. J'ai fait une série avant qui s'appelle The Grand Guta, qui est une série docu-fiction. J'ai réalisé aussi un soap pour VTM pendant un certain temps. Donc, c'est pas la première expérience de série, mais après une série, on va dire, du 52 décors naturels comme ceci, c'est quand même la première fois. Ouais. Le timing même du tournage passe bien. C'est des journées assez chargées, on tourne parfois beaucoup de pages ou beaucoup de décors différents, ce qui fait que tu as des changements de décors ou ce genre de choses qui prennent un certain temps, enfin du moins qui grattent un peu sur le temps de tournage d'une journée. Mais c'est confortable. 9 jours, on tourne 9 jours par épisode et ça, c'est assez confortable au niveau du timing pour quand même essayer des choses et avoir un peu l'occasion de faire des choses différentes. L'idée de la série est née, ils ont voulu lancer la série avec un long métrage, donc Vermis c'est une série qui suit la cellule des personnes disparues. Chaque épisode, ce sont des épisodes stand-alone, donc c'est-à-dire qu'on peut les regarder sans avoir trop, savoir trop de choses à l'avance, c'est-à-dire ça commence par une disparition. Il y a 4 membres dans la cellule des personnes disparues qui enquêtent sur cette disparition. Ça, c'est le concept. C'est commencé par un long métrage qui a été réalisé par Ian Vray, qui lui était showrunner aussi jusqu'à la dernière saison. Donc, il y a 4 réalisateurs sur la saison. Généralement, il y a un showrunner, quelqu'un qui est plus que réalisateur, que ce réalisateur principal, qui est Hans Herbot, ici pour le coup, qui est un réalisateur assez connu du côté flamand. C'est une série qui est là depuis 7 ans et qui est vraiment au niveau de la qualité des scénarios et tout, vraiment fait beaucoup d'efforts. Voilà. Mais bref, je crois que ça doit être peu ici pour une série, ça doit faire 400 000 ou quoi, 300 000, alors que une bonne série un dimanche soir sur In, ça va facilement vers 2 millions. Parce que je crois qu'il faut oser prendre des risques et changer les réflexes de l'audience plutôt que de s'adapter son produit à l'audience. Parce qu'alors on commence à réfléchir d'une manière très commerciale ou en tout cas avec une peur d'échec déjà dès le début, quoi.